Bonjour à tous, bienvenue pour cette partie de pêche, cette première partie de pêche que l'on fait ensemble. Aujourd'hui, on va aller pêcher la truite en mouche sèche sur une rivière bretonne pas très loin de chez moi. On a une vague de froid qui a duré assez longtemps, qui a duré 2 ou 3 semaines. Ça fait 3-4 jours qu'il fait beau. On a les températures au-dessus de 17 degrés en journée. On atteint même les 20, donc ce qui est plutôt bien. Normalement, les truites devraient être de sortie. Je vais descendre la rivière. Je vais la descendre et la remonter tranquillement en espérant croiser quelques gobages. Allez, à toutes! Ça fait un moment que je descends la rivière. Je n'ai pas encore croisé d'insectes, ni d'éphémères, ni de trichoptères. Mais par contre, ce qui est hallucinant, la rivière est vraiment hyper basse. Pour la saison, là, c'est voilà, c'est terrible. Ça annonce un été douloureux s'il pleut pas. Bon, je vais me mettre à l'eau ici et remonter la rivière. Un petit truc à savoir, c'est qu'en Bretagne, on peut rentrer dans l'eau depuis le 9 avril. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions. Bon, allez, c'est parti. La rivière est belle, il n'y a pas de vent, les conditions sont bonnes. J'ai pas vu de gobage encore, je vois pas d'insectes, pas d'éphémères, pas de tricot, juste des petits moucherons. Bon, allez, on va la remonter, on va remonter la rivière pour espérer croiser 2 ou 3 poissons. Donc là je commence sur une imitation de mouche de mai, une mouche assez grosse, en taille 10. En bas de ligne, je suis en 16 centièmes au diamètre. Début de saison, c'est ce qu'il faut. Surtout que lorsqu'on pêche avec des mouches un peu volumineuses, comme moi en ce moment, ça évite que le fil brille trop vite. Oh, le boulet, j'ai loupé le gobage. Ah, généralement elles reviennent pas, hein. Généralement quand on les loue comme ça, ça revient pas. Je vais attendre un peu, je vais laisser passer l'orage, je vais me faire oublier. Et dans 5 minutes, je la retente. Ouais, j'ai essayé de me faire oublier, mais je ne l'ai pas revu gober. Lorsque vous ratez une truite, un gobage, un ferrage, et que vous n'avez pas piqué de poisson, c'est bien d'attendre, et d'attendre qu'elle se remette en activité alimentaire. Ça veut dire qu'elle reprend confiance. Là, je n'ai pas revu, j'ai laissé reposer. Je vais retenter comme ça. J'ai mis un petit cul de canard. Classique. Non, elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas, c'est mort. On va essayer de l'eau. Peut-être qu'elle est remontée. Beau coin là. Hop. Là, il y a un super plat. Ça me paraît hyper propice. Hop.
petite truitelle. Allez, décrochée. Elle était vraiment minuscule. J'ai changé de mouche. J'ai mis une émergente de Marsh Brown. Allez. Oh purée. Ouais, j'ai rien vu du tout. J'ai rien dit. Hop. Jolie truite, petite truite. Allez. Hop. Belle truite. Allez cocotte. On retourne. Retourne chez toi. Là j'ai mis une mouche de mai. Une mouche de mai en taille numéro 12. Plaisir. Ça fait plaisir. Elle est venue sur une mouche de mai. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle truite. Elle est belle. Hop. Allez cocotte. Un peu trop de soie là. Ouais, ça drague. Ça dragouille. Oh bah quoi. Alors là. Voilà, c'est un coup de chance. Alors ça, ça s'appelle un gros coup de chance. Oh, j'étais en train de. La mouche, elle draguait. Je fouette. Enfin, je me mets en action de fouettage. Ça, ça s'appelle un gros coup de chance. Hop, allez ma cocotte, toi aussi tu peux retourner à l'eau. Toute mouillée, j'ai fait tomber vos boîtes à mouches. Bravo. Je sais même pas quoi prendre. Elles sont trempées. Ouais, et toi, tu me parais plus sèche que les autres. Hop là. Ah, elle est venue finalement. Et voilà. La petite qui gobelle là. La voilà. J'ai du mal à te prendre. Hein. T'as été très maline. Bravo. Très 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 maline. Hop là, la voilà la coquine. La voilà. Allez. Retourne chez toi. Fin de partie de pêche. À cause du couvre-feu, pas de coup du soir. C'est dommage parce que ça commençait à pas mal gober sur la fin. Donc, bonne petite partie de pêche, assez concluante. Toutes les mouches sont en description. Il y a une fiche de montage sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc, bah, bonne partie de pêche.
si vous y allez et si vous comptez y aller. Et à plus. Allez, salut.